Je te veux dans ma vie. I'm not many boy, only you that. Bonjour, Serge Ngwakamabe, citoyen congolais de pure souche, de père, de mère, de grand-père, d'arrière-grand-père et d'aïeux. La chronique d'aujourd'hui porte sur la situation qu'a subi notre artiste Nestella Forest. Nestella Forest, permettez-moi de vous tutoyer, Nestelia, deux choses. Le premier incident commence lorsque on t'a éconduite de la loge que tu as occupée, probablement accidentellement, je suppose que ces loges-là n'ont été ni numérotés ni nominativement indiqués. En fait, quand vous parlez des loges, c'est des loges fabriquées sur place en contreplaqué ou en matériaux amovibles. Le respect ne se décrète pas, le respect s'impose. Moi, à ta place, une fois qu'on m'a éconduite de là, je découvre que la loge dans laquelle on vient me mettre n'est pas commode ou moins huppée que celle que j'ai occupée par inadvertance. Je plie mes clics et mes claques et je m'en vais. Parce que si tu estimes que il y avait une catégorisation de loge, alors fais le sacrifice de croire que, comme le dit l'adage, tous les artistes ne sont pas logés à la même enseigne. Et que, dans l'entendement des organisateurs, ben, l'artiste pour qui cette loge que tu as occupée accidentellement a été réservée, vaut mieux que toi. Ça, il faut qu'on se le dise. Ça, c'est dans l'entendement des organisateurs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose la plus difficile à vivre, c'est ce qui s'est passé une fois que tu es monté sur scène. Moi, je fais une analyse sans émotion aucune. Le public n'a jamais tort. En tout cas, le public n'a jamais tort et le public est très, très délicat. Des situations comme ça, malheureusement, ça arrive. Hein. Le patrimoine de la musique congolaise, Roga Roga, a déjà connu ce type d'incident. Le public n'a jamais tort parce que le public, on doit lui donner ce qu'il veut. Tu as presté après Rebo, à ce que je sache. Et Rebo a donné au public ce que le public aime. Les scènes obscènes. Malheureusement, la cible là-bas à ce festival est friande de ce type de spectacle. Rebo a fait des gestes que je ne veux pas décrire ici, mais des gestes qui, que tu le veuilles ou pas, des gestes qui ont plu à ce public-là. On n'insulte pas un public, qu'il soit sous certains entendements vulgaires, moins éduqué, mais en tout cas, c'est le public. Et il a donc été très difficile pour toi de prester après Rebo qui a donné au public ce que le public voulait. C'est simplement ça. Ça, c'est l'analyse à froid. Moi, je n'accable pas Rebo parce qu'on l'a invité. Elle a eu le succès escompté quand elle quitte la RDC. Maintenant, les solutions ou la suite de ce que tu vas traverser. Je suppose que tu traverses des moments difficiles et je compte sur tes proches pour qu'on t'apporte l'accompagnement nécessaire. Nestelia, le public musical, c'est comme un marché dans mon métier. Et un marché, on le segmente. La musique que toi, tu fais, ce n'est pas une musique mass market. C'est une musique select. Pourquoi dans la vie, tout le monde ne mange pas dans les Malewa? Il y en a qui mangent dans des restos plus ou moins huppés et d'autres encore, selon leurs moyens, ils mangent dans des restaurants 3, 4, 5 étoiles. Ta musique n'est pas mass market et ton manager est la personne la mieux placée pour te le dire. Ta musique est une musique, on va dire, select, semi-VIP et d'un certain standing. Donc, a priori, toi-même, tu dois te rendre compte que tu n'es pas une artiste faite pour tout public, tous azimuts. Non, c'est une fausse analyse. Nestelia, tu peux prester devant le président de la République, tu auras les ovations qui te reviennent. Tu peux prester dans un concert privé ou dans le domicile d'un richissime homme, tu auras les ovations et l'oreille musicale te sera attentive. Il y a des grands artistes dans ce monde. On va prendre le cas des artistes d'en face, Lokua Kwanza, un grand artiste, mais il ne peut pas se permettre un jour de venir jouer le stade de Martyrs. Ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Il va échouer parce que sa musique n'est pas destinée à ce type de public.
Maintenant, pour boucler la chronique, Nestélia, je ne comprends pas ce que tu es revenu faire ici. Tu es destiné pour faire une carrière à la Pierrette Adams, par exemple. Nul n'est prophète chez soi. Tu n'es pas destiné pour ce type de public. Tu es allé jusqu'aux États-Unis. Je ne sais pas ce que tu es revenu faire ici, alors que quand je te suis, tu parles aussi un peu anglais. Tu parles aussi un peu anglais. Ou tu veux vivre de ton talent, parce que dans la vie, Dieu peut te donner une seule chose. Et la chose que Dieu t'a donnée, c'est ton talent. Et tu as même des vertus d'un très bon artiste, d'une très bonne comédienne, d'une très bonne actrice. En dehors de la musique, tu peux faire du cinéma. Tu cherches quoi? Ta destinée, c'est pas ici. Moi, je suis en retard. Je suis en train de prendre l'avion. Je pars à Brazzaville. Je te supplie, je demande à rencontrer ton manager. Pas toi forcément. J'ai des choses à dire à ton manager. Il ne te rend pas service. Il faut étudier l'environnement dans lequel on évolue. Il faut l'étudier. Parce que là, maintenant, pour te relever, il faut que tu aies le soutien des plus grands de ton domaine, comme les Roga Roga. Moi, je t'ai écrit des dizaines de fois, mais je vois que tu as déjà une page qui sélectionne. Deux fois, on te laisse poireauter. Un peu comme tous les artistes d'ailleurs. Sonore Digital, par exemple, un petit frère propre, je lui ai écrit en 2020. C'est en 2024, là, que le manager de son orchestre, Bébé Retour, mon petit frère, qui m'a répondu, qui m'a donné les accréditations que je lui ai demandées depuis 2020. Donc, il faut savoir conduire tout ça. Bon, je ne sais pas, j'ai besoin de discuter avec ton manager. J'ai suggéré des choses dans ton inbox, ça fait des années. Il faut essayer de conquérir d'autres parts de marché. Tu fais aussi très bien les interprétations. Je t'ai vu reprendre une chanson du grand Zao, mais c'est un délice. Ça veut dire que tu as la capacité de faire une reprise de Kumba Gaolo. Tu vas pénétrer le marché ouest-africain. Tu fais une reprise de Grace Deka. Tu vas pénétrer le marché camerounais. Tu sollicites un featuring avec José. Tu vas pénétrer le marché ivoirien. Ton manager doit réfléchir sur tout ça. Donc, j'ai tout un éventail de propositions à te faire. Je veux juste discuter avec ton manager. Pas toi personnellement, peut-être que aux autres, l'écologie, ou aux amoisies. Permets-moi de parler avec ton manager. Je pars à Brazza tout de suite. Je reviens mercredi matin. Si je peux avoir la petite chance de dire le plan que j'ai pensé pour toi, pour t'apporter ma contribution, dans l'immédiat, je vais me battre personnellement pour que tu fasses la première partie du grand concert de Roga Roga au Zénith de Paris. Ça va t'ouvrir d'autres horizons. Parmi les solutions sur les discriminations envers les artistes, il faut que vous ayez une corporation structurée, l'Association des musiciens congolais. Il faut vous salanger. Vous n'êtes pas obligé d'être des amis, vous n'êtes pas obligé de vous aimer, mais pour la cause de votre métier, il faut qu'il y ait une structure. Si chacun vient se plaindre ici, chacun dans son coin, ça ne se passera pas. J'ai suivi mon ami Bruce Landy de Côte dans la matinale. Il y a d'autres stratégies au niveau du gouvernement qu'on peut mettre en place, mais ça ne se dit pas en public. Si on veut avoir la préférence nationale dans le domaine culturel, ça se travaille dans les coulisses. Plein de choses à dire. Bon courage à toi. Ne baisse pas les bras. Tu es une artiste talentueuse, mais le game, c'est très compliqué. Donc, je te souhaite le meilleur. Et je suis un fan de Timan. Bon courage à toi, Nestélia.